N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee. Merci. Le du bilan est donc venu. Jamais il n'y a eu un tel écart entre les mots qui forment votre discours et la réalité vécue par des millions d'Européens. Vous voyez, en président d'une puissance mondiale respectée, vous êtes à la tête d'une administration froide, affaiblie, dans laquelle les peuples d'Europe ne croient plus. Vous ne jurez que par l'élargissement à tout prix, nous voyons un rétrécissement sans précédent de l'influence de l'Europe dans le monde. Ce qui m'a le plus choqué, déçu, c'est que cette femme, présidente de la Commission, se comporte comme si elle était présidente de l'Union européenne, comme si elle avait été élue par les peuples et même par les gouvernements. Lors de la pandémie, la Cour des comptes européenne a relevé un certain amateurisme avec pas d'experts en logistique, juridique et surtout un manque de transparence des contrats d'achat. Comment oublier le scandale des SMS entre Mme van der Leyen et le PDG de Pfizer, qui a décroché le plus gros contrat avec des commandes jusqu'en 2027 pour des milliards d'euros Et Mme van der Leyen est recyclée comme euh, euh, lobbyiste des intérêts de Pfizer. De Joe Biden, euh, de certaines industries. Et son mandat à la tête de la Commission est une véritable catastrophe pour l'Union européenne. Vous parlez de la force de l'Europe, de son efficacité, mais la réalité semble parfois bien éloignée de cet hémicycle. Au moment où nous parlons, le secours populaire annonce que 20% des Français vivent à découvert. Vous avez exprimé avec vraiment grande éloquence tout votre mépris pour la classe travailleuse en Europe aujourd'hui. Je sais que vous vous gagnez 30 000 euros par mois, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en Europe, 30 des gens doivent sauter un repas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour trois repas par jour Est-ce que vous savez que 46 des Européens ont peur de hausser le chauffage et ne le font pas, restent dans le froid Que 100 millions d'Européens risquent la pauvreté Et qu'est-ce qui est votre bilan Votre bilan à vous Comment expliquez vous que l'Union européenne paye plus cher les doses Pfizer BioNTech que le Brésil ou l'Afrique du Sud? Par une écologie punitive empruntée à la gauche, vous menacez notre industrie automobile avec la fin annoncée des moteurs thermiques, tout comme vous fragilisez notre autonomie alimentaire avec la stratégie dite de la ferme à la fourchette et la décroissance agricole qui en découle. Dans toute l'Europe, une personne sur trois se prive d'un repas pour tenir. Des millions de foyers, d'artisans, d'entreprises n'arrivent plus à payer leur énergie. Malgré ce retour de la pauvreté, la Commission n'aura cessé de multiplier les contraintes sur ceux qui travaillent et produisent en Europe. La directive énergétique sur les bâtiments aggravera la crise du logement. La stratégie Farm to Fork fait baisser la production alimentaire. Est-ce que vous avez bloqué les factures de l'énergie? Non. Est-ce que vous avez taxé les millionnaires? Non. Est-ce que vous avez taclé les surprofits des multinationales énergétiques, pharmaceutiques, militaires? Non. Et que faites-vous aujourd'hui donc? Aujourd'hui, vous inondez, vous garantissez des milliards d'euros au secteur militaire, aux multinationales d'armement. Par les règles absurdes du marché européen de l'énergie, comme par vos atermoiements sur la question du nucléaire, vous faites payer à mon peuple, le peuple français, une facture salée qui prend à la gorge nos entreprises et les familles les plus modestes. Par votre croyance sans limite dans le village global, vous organisez les conditions du désordre de demain en acceptant une immigration de peuplement venue du Sud qui change notre culture et bouleverse notre art de vivre. La taxonomie accélère encore le décrochage industriel. Vous avez longuement parlé d'électricité pour accélérer l'implantation des éoliennes, mais toujours pas un mot sur le nucléaire, pourtant première source d'énergie décarbonée et accessible en Europe. Vous promettez de réduire les normes, mais elles n'auront cessé de s'empiler ces dernières années. La multiplication des contraintes ne protège pas l'environnement. Elle nous rend seulement dépendants des autres pays du monde qui n'assument pas les mêmes coûts. Ne... Par votre naïveté, les institutions européennes auront été le relais des idéologies islamistes dans d'indécentes campagnes de publicité. Quelle étrange organisation que celle qui finance ses propres ennemis. Nous ne sauverons pas la planète en achetant des voitures électriques en Chine, de même nous ne relancerons pas notre économie en augmentant une immigration qualifiée, comme vous l'avez dit, mais en qualifiant ces millions de jeunes dont vous avez parlé qui sont encore aujourd'hui si loin de l'emploi. La seule réponse à l'hiver démographique en Europe c'est de soutenir les familles Merci. et non de déstabiliser encore plus nos pays. L'Europe est entrée dans le temps des incertitudes. Le COVID, le retour de la guerre à nos portes, l'intelligence artificielle, le défi démographique, climatique et, je dirais, en somme civilisationnel nous imposent un sursaut au risque de disparaître. C'est de soutenir les familles Merci. et non de déstabiliser encore plus nos pays en nous appuyant sur elles, sur les talents de nos pays. Sur le savoir, la culture des citoyens en Europe. Merci, oui, nous pouvons retrouver la prospérité et l'élan de notre continent, mais cela suppose d'ouvrir les yeux sur la réalité. Merci nous devons exister. La construction européenne doit exister. Mais elle ne trouvera le chemin de la puissance et la voie de la confiance des peuples que dans une alliance des nations libres, souveraines, indépendantes, capables d'investir les grands projets du siècle en cours pour rivaliser avec les États-Unis ou la Chine. J'invite. Les peuples à prendre date. Du 6 au 9 juin, ils pourront mettre un terme définitif à plusieurs années de renoncement pour renouer avec le fil de l'espoir. Vivement le 9 juin. Alors vous proposez le retour du pacte budgétaire, le retour de l'austérité. Madame van der Leyen, cette Europe, votre Europe ne sera jamais la nôtre. On vous combattra, vous et votre coalition. N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee. Merci.